Bouvard du groupe Cassav, comment témoignent ces images. Ce batteur, percussionniste, auteur, compositeur s'est totalement investi pour la notoriété du groupe. Son authenticité a fait évoluer la musique zouk au-delà de Cassav. Faiseur de talent, toujours derrière l'artiste, César Diocin était d'une grande humilité. Sa séparation avec le groupe aurait, paraît-il, fait beaucoup de dégâts dans sa vie. Malheureusement, je sais que cette rupture avec Cassav a été quand même quelque chose de très... Elle a laissé une blessure, quoi. C'était parce que laisser un groupe comme Cassav qui a été un peu sa vie, ça n'a pas été facile à gérer, quoi. Mais il a quand même su s'intégrer en retournant en Guadeloupe. Il a travaillé des petits groupes, il a fait des petits trucs, et puis voilà, quoi. Paraplégique à la suite d'un AVC sévère, le percussionniste, semble-t-il, n'a jamais accepté son handicap. C'est jamais facile de faire partir mon frère, c'est vrai. Mais en quelque part, je dis que c'est un soulagement parce que bon, il faut savoir qu'il a beaucoup souffert. Et c'était quelqu'un qui aimait la vie et quand même d'assez orgueilleux. Donc sa maladie ne lui a pas rendu les choses faciles. C'est vrai que ça fait mal, mais bon, en fin de compte, je pense que le Seigneur lui a fait une grâce, quoi. À cause de sa grande souffrance quotidienne, César Diocin a sans doute préféré partir rejoindre les étoiles du Zouk. Il n'avait que 58 ans. Adieu l'artiste.